Maintenant, je suis face à un dilemme. Je ne sais plus sur quoi il faut travailler. Je cherche quelque chose de facile, pas trop compliqué, qui ne me prend pas trop de temps. Ici, j'ai le Titanic en métal, donc le 3D kit, Metal Model, qui est ici en version bois. D'après ce que j'ai compris, celui-là j'ai acheté, c'est le modèle Le Gouet sur la boîte. Mais en fait, d'origine Holage. Donc, c'est ici le modèle en métal. Le Metal Model qui est là de Holage. Mais sous la marque de Le Gouet. Qui est magnifique, très beau, très simple à monter. Donc, il s'appelle Cruise Ship, mais en fait c'est Titanic. Ils n'ont pas pu prendre le nom de Titanic, je pense. Droit d'auteur sûrement. Donc, soit je repars avec le Titanic, mais version métal. Soit sur autre chose. J'ai des gros ici. Ici c'est ISS. Station spatiale internationale version bas de gamme, donc que j'avais non, j'avais jamais fait. Ici je sais pas, c'est pas écrit, c'est juste le numéro de référence, donc je connais pas. En métal j'ai tout ça. C'est quoi, chariot Western Cowboy? Donc non. Apollo, station lunaire. Non. Ici, j'ai pas de nom, juste la référence du modèle. C'est la référence modèle que j'ai marqué. C'est le module pour Mars, américaine, je pense. Mars propre color, donc modèle américaine. Module martienne. Ici, module martienne aussi, mais module chinois. Oui. Voilà pour ce qui est... Ah, j'ai encore un métal ici et ici. C'est métal aussi. C'est le wagon de train. Notice. Il y a trois wagons différents. Voilà, il est là, le dessin. Trois wagons différents en un seul pack. Donc, ça revient. C'est en monochrome argenté, couleur métal. Dommage, parce que je voulais commander en version couleur. Mais les frais de port sont assez chers. Ici, version de Peace Cool. Donc, c'est l'une des meilleures, je crois, en locomotive. Train en métal. Difficulté 3. C'est très beau. Couleur noire et or. Là, ici. 6 feuilles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de détails. Niveau 3 seulement, par contre, avec 282 pièces, pièces pour l'assemblage. Pas besoin de glue, pas de besoin de soudure, pas de besoin de peinture. Box, on a besoin quoi, d'une pince, c'est tout. Pince coupante et pince plate. C'est très beau. J'aimerais bien monter celui-là, mais vu la quantité de pièces, je vais attendre encore pour lui. Les versions plus rapides à monter, c'est des versions en bois, un peu de métal en bois. Donc, je pense à celui-là, surtout. Difficulté 3, il y a encore plus de pièces que le métal. Du coup, celui-là. 282, 278, c'est presque pareil. Avec combien? Avec 4 pièces de plus pour
métal. Et là, c'est en bois qui est beaucoup plus facile à travailler. Mais très fragile d'après ce que je vois. Donc la marque c'est Classical 3D Wooden Bezel. Pareil donc, version train. C'est pareil que lui. Version métal, version bois. Voilà. Donc j'ai le choix entre ces deux-là à monter. Je, non, non. J'ai le camion, c'est pas pour aujourd'hui. Je voulais aussi celui-là. Il n'y a pas beaucoup de pièces celui-là, je crois. Bon, on voit pas, c'est caché. Voiture, donc de course à l'ancien temps. Et le moins de pièces, c'est lui. 145. Donc on va partir avec lui. Tramway. Tramcar de relâche. Donc 145 pièces, c'est celui qui a le moins de pièces à monter. Belle couleur en plus. Qui ressemble aux couleurs que j'avais déjà montées pour les véhicules de travaux. C'est de Robotham. Life aussi donc. On va partir avec le tram, un petit wagon électrique. Voilà. Je vais démarrer avec lui. Et ici, les bois sont ici, les métaux sont ici. Et encore deux ici, qui est Titanic, que je ferai un peu plus tard, peut-être. Lui. Ce sera pas pour le moment la locomotive métal. Donc au niveau locomotive c'est le plus cher en métal, c'est lui de Piscool. Tout ce qui est Piscool est très bon, j'aime bien les Piscool, mais c'est plus beaucoup plus cher aussi, mais ça vaut le coup. Voilà. Et les pas chers c'est ceux-là où on a plusieurs modèle rassemblé dans un parc. C'est intéressant, le prix est très très intéressant, autour d'une dizaine d'euros. Alors que Rolife, ça tourne autour de dizaines d'euros, mais un seul modèle. Voilà. Donc on va partir avec Tramka. Le tram. Voilà. On termine ici pour la présentation des colis de modèles que j'ai en stock depuis un mois, 2 mois. Ces versions-là. Et lui, que je viens de monter, terminer hier. C'est tout ce qui est en bois, j'aime beaucoup. Surtout les paquets Rolife, là, c'est-à-dire c'est les moins chers en bois, de qualité. Avec des modèles qui sont magnifiques. Vraiment, j'aime beaucoup. Les bois, j'aime plus que le métal. Par contre, il n'est pas très solide au niveau support. Donc, il n'est pas très solide pour le maintien parce que ça a tendance à partir. On va dire c'est support, c'est normal. Oui et non. Je vais mettre 2 points de colle peut-être pour le maintenir. Colle instantanée, super forte. Voilà, on termine ici.